Eratom. Chaude empoignade entre membres du MPSR du colonel Paul-Henri Damiba et le leader des manifestants à Ouagadougou. Chers auditeurs, une erreur s'est glissée dans le titre de la vidéo précédente. Désolé pour la confusion. Cet audio est plutôt celui d'un membre du MPSR du colonel Paul-Henri Damiba qui a appelé directement un des chefs des manifestants de Ouagadougou comme un vulgaire personnage pour le menacer. Mal lui en a pris. Il s'est fait proprement humilier au passage. Écoutez plutôt et donnez-moi vos avis. L'Afrique est le continent du ridicule. Bonsoir. Inch'Allah. Oui, bonsoir, monsieur. Comment tu vas? Ça va? Oui. C'est Wérémy? Oui. D'accord. C'est vous qui organisez la marche de demain, là? Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous avez eu l'autorisation? On n'a pas eu l'autorisation. Et puis vous forcez, vous voulez faire sortir les gens? Il y a quelle marche qu'ils ont autorisé? Dites-moi. Ah, donc vous, donnez-moi un exemple, quoi. Il y a quelle marche qu'ils ont autorisé donc, au Burkina Faso? Donc vous voulez nous tenir tête maintenant? Mais, vous dites quoi? Nous sommes des Burkinabés. Nous avons plein. Nous sommes libres de revendiquer nos droits. Vous êtes libres. Vous voulez que vous êtes. Vous nous gouvernez maintenant, c'est nous piétiner, mais quoi? Il n'y a pas de souci. Donc demain, on va se trouver sur le terrain. On se trouve sur le terrain. Il y a pas de problème. Ouagadougou va se brûler demain. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ce que vous voulez là. Ouagadougou va se brûler demain. Il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a même pas de souci même. Entre toi et nous là. Ce que vous voyez là-haut, c'est que nous attendons. Moi, je ne laisse pas le jour de ma mort là. Aller mourir un jour. Est-ce que quand tu parles, tu réfléchis? Moi, je suis un intellectuel, je ne suis pas bête. Tu es intellectuel en quoi? Oui. Je ne vais pas te donner d'explication. Il n'y a pas de souci. Vous êtes venu sous le si pouvoir, vous voulez demain, travailler là. Pour le peuple, vous voulez travailler pour la France. À bas la France, à bas l'impérialisme, à bas les militaires pourris. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.